Hello tout le monde, comment allez-vous les amis, c'est Frit. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va enfin découvrir ensemble la fameuse map avec Thomas le Train. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Thomas le Train. Apparemment ici dans cette map il va littéralement péter un plomb et il va vouloir nous tuer. Donc c'est pas très joyeux, hein. Clairement ça fait un petit peu flipper même, je dirais. Ça fait un moment que la map est sortie, mais je me devais d'aller découvrir la map parce qu'elle a l'air vraiment d'être sympa et puis tout le monde l'a fait. Du coup bah je me suis dit pourquoi pas. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure les amis. Si oui, on perd pas de temps, on va directement commencer. Et on va essayer de trouver où est-ce que ça commence déjà, hein. Parce que là on est dans une gare, forcément vu que Thomas est un train. Mais comment faire? Ah, go to the tunnel pour commencer le jeu. Ah voilà, ce grand tunnel sombre. C'est là où on doit aller, on a une petite lampe torche. Alors ça fait plaisir d'avoir des gens avec moi pour pouvoir faire cette aventure, parce que je pense que tout seul je me chierais dessus. Ok, on est plusieurs, c'est parfait, c'est magnifique. Ça va être des longs tunnels comme ça je pense. On va voir, on va suivre un petit peu les autres là-bas, parce que j'ai pas envie de me retrouver tout seul. Et on va voir comment ça se passe et quels sont les objectifs. Peut-être que le but c'est de réussir à trouver le chemin, enfin la sortie plutôt, enfin le chemin de la sortie, soit c'est pareil. Je pense qu'il doit y avoir un bail comme ça et c'est peut-être une sorte d'escape en fait, tout simplement. Il y a un problème ici, c'est qu'on a un train qui est en train de cramer et j'ai l'impression que si je le touche, je meurs. Ok, non, c'est bon, j'ai réussi à passer, c'est parfait. En tout cas, c'est plutôt sympa. Hein. Je peux même te mettre en vue comme ça si jamais tu veux avoir un peu plus d'immersion, mais si c'est un escape, je préfère avoir cette vue là histoire d'avoir un champ de vision plus large, n'est-ce pas? Ok, on va aller là. Putain, bah, en fait, on a été 4 et je me retrouve déjà tout seul à devoir progresser dans l'aventure. Sérieusement, c'est une blague ou quoi? Je redoute le moment où il y aura Thomas le Train. Mais il est là-bas, je crois. Oh là là là, Thomas le Train est juste là-bas, les amis. Je vais rejoindre les deux autres qui sont là-bas. Il y a un alien ici, là, juste à gauche, qui s'est crashé avec sa soucoupe volante. E.T., c'est toi? Ok, c'est E.T., hein. Bon, E.T. a un petit peu changé quand même. Ok, on va passer là. On va passer là. Thomas le Train ne bouge pas, donc ça va. Hein. Pour l'instant, on va pas s'en plaindre. J'ai envie de te lire. On passe là. Et comment je fais pour passer? Attends, j'ai peur en fait que si je le touche, il me tue, genre. Je peux te sauter dessus, mec? Ou je peux juste passer comme ça? Ok, on frôle les murs, histoire d'éviter le moindre risque. Vous allez peut-être penser que je suis parano, mais je pense pas. Pourquoi elle revient en arrière, là? Ça me dit rien qui vaille, ça. Si elle revient en arrière, c'est peut-être qu'il y a un cul-de-sac là-bas et qu'on est bloqué. Je sais pas, écoutez, on a un énorme escalier ici en tourbi qui s'offre à nous. Prenons-le, les amis! Prenons-le et voyons voir où est-ce qu'il va nous mener. Je crois que c'est vraiment ça, en fait. C'est tout un parcours à faire. Et tu dois réussir à la fin à sortir du tunnel. Mais là, il n'y a pas vraiment de danger pour l'instant, tu vois. Je suis pas mort une seule fois. Thomas le Train est là, mais il est statique. Par contre, il fait peur celui-là, putain. Regardez comme ça, là. On dirait qu'il a les yeux fermés. C'est horrible. Il fait super peur. Tout le monde revient en arrière. Je comprends pas pourquoi. Il n'y a rien là-bas? Non, c'est pas possible. Ne dites pas que je me suis trompé de chemin depuis le début. Je refuse d'y croire. Alors peut-être qu'ils ont tellement peur qu'ils reviennent en arrière pour essayer de trouver d'autres personnes en vrai. Ça, c'est possible aussi. Ok, on va essayer de pas toucher les barils parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ça peut éventuellement nous tuer. Bah non, ils sautent sur les barils et il se passe rien. Mais pourquoi vous revenez tous en arrière? Je suis sûr qu'il y a un chemin et ils l'ont pas vu. Regarde, on passe là. On saute ici. Ok, là c'est pas mal. Ensuite on passe par là de nouveau. Non, ça continue, ça continue, ça continue. Et là-bas il y a une porte avec beaucoup de gens. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que ce serait pas bloqué, genre? We are not too far from the end. Passe les gars. Ah, on peut plus passer. Mais non. Mais on fait comment alors pour pouvoir s'enfuir? Un grand wagon devant, mais pourquoi ils disent 10 minutes? Non, me dites pas qu'on doit attendre. Attendez, je vais aller me renseigner, parce que c'est quand même très très bizarre. Il y a un mec qui vole, hein, c'est tout à fait normal. Ok, bah apparemment, normalement, il y a Thomas le Train qui est censé débarquer. Ensuite, ça nous permettra de normalement pouvoir passer à gauche ici. Sauf que là, bah, j'ai vraiment l'impression que Thomas le Train n'a pas trop envie de venir. Donc, est-ce qu'on doit attendre que tout le monde arrive ici pour que la cinématique du train se lance? Ou est-ce qu'on a vraiment genre un temps à attendre? Mais c'est très bizarre quand même. A few moments later. Bon les BG, je pense que pour la map de Thomas le Train, il y a eu un réel problème. Genre avec le serveur, à mon avis, genre ça c'est pas censé se passer comme ça. Normalement on devait avoir Thomas le Train, mais là c'est pas le cas. Mais je suis sur une autre map ici. Il est mis en gros que c'est la map originale. Donc est-ce que ce serait une map qui a existé avant la map de Thomas le Train, avec le même délire, sauf que bah, c'est peut-être pas Thomas le Train, c'est peut-être un train classique. En tout cas c'est vraiment la même chose et les avis sont très positifs. Donc bah écoutez, comme on n'a pas trop le choix, on va découvrir cette map aussi également et on va voir un petit peu comment ça se passe. Sauf que là on est déjà bloqué après les premières secondes, à moins que bah ouais on est déjà bloqué. Mais what the fuck, il y a aucune map qui fonctionne ou quoi? C'est pas possible. Ah, ok, c'est parfait les amis, c'est bon, ça commence enfin. On a un train qui passe, c'est pas Thomas le Train. Mais c'est le train tout court en fait. C'est juste le train. Donc ouais, c'est vraiment... Oh mais non, il est là en fait, Thomas le Train.
il est là, il arrive en gare. Merde. Laissez-nous passer. Heureusement qu'il y a cette map là. Je vous mettrai en description comme ça, si jamais vous n'avez pas encore joué à la map comme moi, celle qu'on a testée juste avant, et si elle fonctionne toujours pas, vous aurez celle-là sur laquelle vous pourrez venir jouer. En attendant, et en plus, elle a l'air d'être très sympa, hein, en vrai de vrai, genre elle se ressemble énormément. Bah regardez ça, on dirait vraiment un copier-coller. On va pouvoir. D'accord, très bien. J'ai été exclu, mais non, si on tombe, c'est fini. Thomas m'a tué apparemment. Ah mais non, je vais devoir recommencer. Ça tombe, attendre encore 1000 ans comme tout à l'heure. Ok, deuxième tentative les amis. Là je vais attendre que... Ah ouais, on peut pas en fait se permettre d'attendre. Mais le problème c'est qu'on est tellement que je vois pas trop en fait ce qu'il y a sous mes pieds. C'est bien ça le problème. Allez, cette fois-ci on y arrive. On va pas se faire avoir une deuxième fois. Il y a Thomas juste derrière, let's go. Faut qu'on passe là, j'ai même pas le temps de me retourner pour voir où est le fameux Thomas. Thomas il est là. Ok, Thomas continue d'avancer. Donc là il faut absolument pas qu'on tombe comme tout à l'heure. Hop, on sait que c'est le game over directement. On se fait carrément exclure de la map. Au moins c'est radical. Hop. Hop, ok, let's go. C'est parti. Je sais pas si sur l'autre map c'était pareil aussi en mode si Thomas le train te chope, tu te fais exclure. Ok, c'est parti. On est bien. En plus, on est dans une phase de jeu là plutôt simple, je trouve. On retrouve l'alien de tout à l'heure, hein, donc E.T. est de nouveau parmi nous, c'est magnifique. C'est exactement la même map. Donc, quelle est la vraie map et quelle est la fausse map? C'est ça le problème. Il y a vraiment deux maps qui sont identiques et elles mettent tous les deux que, oh putain, que c'est la map originale. Ok, attention. On va passer là, c'est parfait. On connaît de toute façon, c'est exactement la même chose. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que si on arrive à l'endroit où on était tout à l'heure, est-ce qu'on va enfin pouvoir continuer et passer? On va passer cet escalier-là à tourbillon parce que vous savez bien comment ça se passe. Il n'y a pas Thomas le train derrière nous, donc aucune inquiétude. On peut avancer tranquillement. Oh, j'entends un son. Oh là 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 là, Thomas le train. Ouais, voilà, c'est le deuxième Thomas le train. On l'avait vu aussi également tout à l'heure. Donc là, je pense qu'on est bientôt arrivé dans le moment où... Ah non, c'est vrai qu'il y a encore les caisses, etc. Il y a encore les barils, tout ça. On va attendre, on va passer ça et on se retrouve au bon moment. Non, j'ai été exclu parce que j'ai été touché par un baril rouge. Mais putain, mais j'en ai marre, mais c'est super dur en vrai. Si tu te fais exclure à chaque fois, c'est horrible. Alors, ça m'a pris du temps les BG parce que la map aussi, elle est vraiment très 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 buggée. Du coup, là, je pense que je vais pouvoir... Merde, attends. Ok, c'est bon. On peut enfin y aller, les amis. On peut enfin progresser. Let's go. Faut juste pas se faire choper par Thomas le train. Et il faut essayer aussi... Ah merde, je dois aller là, peut-être. Je dois sûrement aller là. Ok. Parce que sinon, on allait se faire renverser par le train. Ah non, s'il te plaît, dis-moi que je peux y aller. Ok. Oh, merde. C'est quoi ça? C'est un streamer. Ok, c'est un streamer. On dirait Thomas le train, mais en mode fantôme. Ok. C'est parti. On continue. Je suis vraiment tout seul à avoir été jusque-là. Je sais pas du tout si c'est encore long ou pas, mais je suis très content d'enfin pouvoir continuer et progresser. On voit la sortie là-bas, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va pas bien se passer et qu'il va y avoir un truc bizarre. Vous arrivez une couille, c'est évident. Ça me semble trop facile. Regarde, déjà là, il y a une sorte de portail, on dirait. Ça va me téléporter. Ok. Arrêtez avec les screamers. Thomas, s'il te plaît, arrête tes conneries. Ok, il se passe quoi du coup? C'est de la neige ou c'est l'espace? J'ai pas le choix de sauter, hein. Ok, oh non, c'est bon, c'est invisible, il y a un sol invisible. Ça m'a fait peur, je me suis dit à tout moment c'est un piège. En mode, tu devais attendre et si tu tombes dans le vide, t'es banni. Donc non, c'est bon, il y a un sol invisible qui est là. Les caisses, ça peut pas faire de mal normalement. Le seul truc qui peut te bannir, c'est les barils. Mais les barils rouges avec une étiquette dessus. Donc si jamais il y en a, on fera attention de pas les toucher. Les barils gris, sans étiquette, tu peux les toucher. Voilà, ça c'est une petite information que je vous donne. Après observation, c'est ce que j'ai remarqué. Alors là, il se passe quoi du coup? Attends. Là, on est sur des rails. Il y a le vide à côté. Est-ce que si je me foire, en gros, je peux tomber? Ouais, à mon avis, il y a un bail comme ça. Thomas, le train n'est pas là, bizarrement. Mais j'ai peur qu'il arrive de face. Non, il est là, Thomas, le train. Ok, il est toujours là. C'est juste que j'avais un petit temps d'avance sur lui. Ok, il va falloir pas se foirer. Alors, normalement, quand tu sautilles comme ça, tu gagnes un petit peu plus en vitesse. On va se mettre sur la gauche ici parce qu'il y a une planche. Donc, ça évite de tomber inutilement. Et là, est-ce que... Ouais, je peux progresser directement, avancer. Ok, j'ai eu de l'avance sur Thomas, le train. C'est parfait. Il y a une lumière là-bas divine qui nous attend. Est-ce que ce serait la sortie, la vraie sortie? Encore y avoir un bail d'espace ou quoi, tu vois? Non, je pense que là, en vrai, c'est la fin. Hein. Sauf s'il y a un piège et que je me fais avoir, je me fais toucher par un truc. Attention, madame, monsieur. Alors attention, que se passe-t-il? J'arrive ici dans un endroit où il n'y a pas grand chose à part Thomas qui est là et qui est très vénère, hein. Il avait pas ses yeux là, j'ai l'impression, tout à l'heure, hein. Est-ce que je devrais pas plutôt rejoindre la lumière ici, ou est-ce que je vais devoir affronter Thomas? Attends, si je touche ça, oh, j'ai fini je crois.
J'ai réussi, c'est bon. Let's go. Bon, après plusieurs galères quand même, pas mal de bugs, tout ça, mais j'ai fini par y arriver. Eh bah écoutez, c'est parfait. Franchement, c'était vraiment super. Pourquoi il y a des cheveux qui... What the fuck? Il y a un mec en dessous de la main, putain, on dirait une serpillère vivante. Bref, les BG, j'espère du coup que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo. Bah, il y a un abonné qui est là, tiens, Kansolai. Bah écoute, gros big up à toi si tu tombes sur la vidéo. Du coup, bah les BG, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker un maximum, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Activer la cloche aussi, ça ferait plaisir. On se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo et nouvelles aventures. C'est Frit, ciao ciao.